Chers amis de Haïti Vivra, chers amis de la mission Ebenezer de Gonaïves, salut. Nous sommes bien contents de retrouver nous avec vous encore pour notre méditation, je veux dire. Sujet nous, c'est généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Les textes Nabaloudia sont textes qui bien bref, court. C'est Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 1er, verset 1. Le verset 1er nous dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous sentons tout de suite, nous devons camper sous ça, sous rapport ça, que nous joignons là. Fait nous connaître que Jésus-Christ est sorti dans David et David sorti d'Abraham. Ça, c'est là qui fait nous poser un peu de fois pour m'avoir réfléchi sur la ça. Comment le Fils de Dieu, comment Dieu lui-même, il fait sentir, il honore un homme jusqu'à arriver ailleurs, grand-papa, un homme pécheur tant que nous-mêmes, un homme de la même nature tant que nous-mêmes. David qui est péché, nous connaissons comme nous-mêmes. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David est conscient que tu es pécheur. David a prié l'Éternel et dit, crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il te connaît, il te besoin de Dieu. Et voilà, Dieu, osé, qui vient de la chair, osé de David, c'est ailleurs, c'est grand papa. Belle bagaille. Il est fils de David, Jésus-Christ, fils de David. Waouh! Quel grand honneur! Mais côté ça sortit, que mon Dieu rivère les en serviteur lui, grand-papa. Comment ça sortit? Mais ça sortit dans le fait que serviteur ça, c'est ton équité incarner la puissance de Dieu. David, c'est le roi le plus puissant que la terre ait jamais connu. Et puissance ça, quand il était sorti dans l'éternel même. Nous sommes des témoignages de Libanon. Monsieur dit, il était berger, j'ai un petit garçon, pour compter dans la gère. Et puis, la garde montre carrément Noël Lyon, paraît Lyon, il a dit, descend pour venir entrer dans le troupeau pour manger mouton. Paf! Lyon est en ponti mouton. Mouton en bouche Lyon. David, au lieu de courir pour sauver la ville, sauter sur Lyon, prends-lui dans ma choix, déchirer, fendre Lyon en deux. Alors expliquez-moi, côté un homme normal, un homme qui est dans la chair, un homme naturel, capable de faire pareil ça. Donc c'est pas lui. Il était habité par un esprit. Et l'esprit ça, c'était l'esprit de Dieu. L'Éternel même était habité dans David. Il était expression de la puissance de Dieu. Ne m'abandonne pas. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans ma blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Donc, mes prières que David t'a fait. David te connaît depuis la jeunesse. La puissance de Dieu. La force de Dieu est habitée et il y a un témoignage pour le rendre de ça. Donc, il bon Dieu te parle, il te confie, expliquer, faire comprendre, faire expérimenter puissance, la puissance de Dieu. Donc, face à cela, ce n'est pas David dans la chair qui joue l'honneur ça, mais si l'honoré, c'est parce que il était honoré l'Éternel qui dit j'honore ceux qui m'honorent. Je méprise ceux qui me méprisent.
Puisque tu as honoré bon Dieu, mets toute confiance dans bon Dieu. Dans bon comme dans mauvais jour, mais ça a toujours appuyé sur bon Dieu. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Toutes les nations de la terre m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les ai taillés en pièces. C'est le mode monde ça que David dit. Dans bon comme mauvais jour, il est toujours confiant que la puissance de Dieu ne va pas abandonner. Mais c'est l'Éternel ça qui est habité dans l'IA, qui c'est papa de Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est fils de Dieu, fils de l'Éternel, ça nourrit de l'Éternel. Éternel, ça a été habité dans l'Ancien Testament, c'est plus éternel, 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 c'est pas plus, non, c'est l'Éternel, de te dit. Non, Jésus a commencé à venir avec un nom, Christ, le Christ a fini dans le Nouveau Testament. Donc, l'Éternel, le Père de David, de Jésus, c'était lui-même que David était qu'on a servi, et c'est lui-même qui a habité David, et David, là, bon Dieu dit, moi-même l'Éternel, le Père de Jésus-Christ, m'a déclaré que moi-même qui habite où, m'a fait Jésus-Christ tout, de un monde qui a sauté dans l'ignée là. Et de nous suivre toute généalogie à net, nous jouons que juste avant d'arriver sous Marie avec Joseph et Marie, nous jouons que c'est de David vraiment que tu es sauté. Donc, l'on non. Observez, bon Dieu, ou pas qu'on qui surprise que bon Dieu était pour vous, qu'un bébé pour vous. Ou pas qu'on est qui ça l'a fait les lois dans l'histoire demain. Ou pas qu'on est qui va la faire avoir pendant une vie sans avoir aller. C'est une simple question de ou bon vocation et on appelle sur vivre by l'Éternel. Ça, David, petit Isaïe, c'est pas l'histoire de ce petit papa, là, à maman. Et puis c'est dit, même petit jeune, là, nous jeunes que l'onction bon Dieu est venu poser sur lui à cause de l'attitude de lui envers Dieu, à cause de l'état d'esprit que tu as gagné, et bien bon Dieu t'a honoré lui, prendre la famille, faire venir un être spécial et permettre que des merveilles ça, je dis à là. C'est M. Paul qui crier plus tard, en Somme 129, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et David dit, depuis avant même des fêtes dans votre maman, d'apprendre forme dans votre maman, je te connais, je te vois, et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Mais on est qui sentit prêt, bon Dieu, assez, pour bon Dieu, toute attention ça, qui dérangeait, qui était tout bagaille, pour la suivre David, avant même David, tu es tombé dans votre maman. Oui. Prédestination à la cause de papa. Mais là, c'est une question de cette prédestination. La préscience de Dieu te permet que tu aies qui mon David là d'avalé. La préscience de Dieu permet que le bonheur éternel accompagne même avant tes fœtus. Et finalement, la toute-puissance de Dieu prend place. Préscience là pour soutenir. Et des savons de Téloué, M. Tapia, pour toute puissance qui aider de ça. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que dans sa blanche vieillesse. Mes amis, combien d'années nous qui sentons, nous avons un bon Dieu qui prie nous comme ça. Bon Dieu avec nous vraiment. Nous sentons, non, n'a pas un doute, vie moins contrôlée par Dieu. Non, n'a pas un doute, je marche avec Dieu. Non, n'a pas un doute, je suis un serviteur de Dieu. Au carré de moi, un homme de Dieu. Au carré de un serviteur de Dieu. N'a pas un doute, dans ça, nous connaissons bon Dieu, qui a un nom inscrit dans le livre. Et nous connaissons serviteur ça sur terre. C'est pas qu'on est seulement là, parmi tout le monde, mais dit dans moi-même, il est avec moi tous les jours. Chaque jour, à chaque heure. Nous sommes compter sur lui. Nous connaissons lui accompagner, lui toujours avec nous. Je viens devant nous pour nous dire, mes amis, bon Dieu, je vais mettre dans l'histoire. Tu appartiens à l'histoire, toi qui me regardes dans cet instant. Si vraiment vous voulez l'Éternel vivre, ce n'est pas pour David seulement. Il y a une belle bagaille, il réserve une belle surprise. Mais pour vous tous.
fait conversion pour nous tous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Merci.